إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, le programme aujourd'hui c'est avec titre La vérité éclaire. Inch'Allah, explication qu'il nous fait, les points d'explication claires, simples, faciles pour comprendre. Mais qui fait que nous faire un rappel pareil, simplement parce qu'il finit là certains bâtiments qui se filment pour compliquer les choses, se filment pour montrer. Comme si dîn Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un dîn qui basait la confusion, le doute. Alors, Inch'Allah, de l'explication aujourd'hui, nous vous rappelons nous-mêmes, de manière de Coran, Hadith, aussi parole de man Sahaba, man Salaf, qui la vérité est quelque chose qui est claire. En vérité, quand nous disons la vérité, qui est de la vérité? La vérité, c'est dit dans Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité n'est pas propriété X, Y, Z. La vérité n'est pas reliée avec quel pays ou bien n'importe qui s'en a. La vérité, c'est dit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alameen, qui nous envoie ce Rasoul, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous envoie ce Rasoul, avec dîn de la vérité. Donc l'islam, dîn Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dîn de vérité. Quand nous disons la vérité, l'éclair, nous disons l'islam, l'éclair. Et quand nous disons l'islam, l'éclair, nous pouvons dire l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. L'islam authentique, l'éclair. Qui veut dire l'islam authentique, l'éclair? C'est facile pour comprendre, pour distinguer, pour mettre en pratique. En vérité, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce dîn, l'islam pur, authentique, finira après ce qu'il appelle une falsification. Finira un mensonge de la part de man égaré. Finira beaucoup de falsification, beaucoup de mensonge. D'une telle façon qu'aujourd'hui, celui qui, comme on dit, les péchés, l'islam, les vous trouvez en face d'un islam qui est là, ensemble avec lui, ou bien à côté avec lui, ou bien mélangé avec lui, ce qu'il appelle falsification, mensonge. Alors, la question qu'il nous posait, c'est ça, je veux dire, qui vient de faire ce programme-là. Dans présence de ma falsification et mensonge, est-ce que la vérité est claire ou bien n'est pas claire? Première question, est-ce que ma falsification et ma mensonge qui va me bédater finit avec ça, va égarer finit avec ça? Est-ce que ça va me falsification là, ça va me mensonge là, finit mélange avec l'islam d'une façon qui n'est pas capable de se parler d'eux, ou bien c'est pas quelque chose qui vient venir à l'entour de l'islam? Deuxième question, est-ce qu'avec sa quantité de mensonges, sa quantité de falsifications, nous sommes capables d'identifier l'islam? C'est quelqu'un qui descend depuis l'échelle, ou bien nous n'avons pas capables d'identifier? Troisième question, est-ce que c'est l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre et qui a autant de mensonges, autant de falsifications dans sa époque qui nous fait vivre, autant d'années après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que moi, je suis capable de rassurer moi, je pratique l'islam authentique, ou bien je ne suis pas capable de moi ça garantir? Quatrième question, est-ce que dans présence de tout ça, de falsifications, mensonges, une justification de la part des gens qui suivent une passion, avec tout ça, ce qu'il y a comme légalement là, est-ce que
nous capables de dire molo la vérité, un tel dans l'égarement, ou bien nous pas capables de dire ça. Alors, là, nous trouvons, si nous posons quelque chose, est-ce que l'islam saint, est-ce que l'islam clair, tout le monde peut dire l'islam clair, mais quand nous venons avec les autres questions, est-ce qu'il faut un droit de dire molo la vérité ou bien non? Est-ce qu'il faut un droit de dire un tel égaré ou bien non? Alors là, vous avez un avocat de ban bidati parmi ban soi-disant chrétien Makkah Madina qui vient dire faudrait pas pour un adi dire si vous avez un groupe de la vérité là, vous faites moi connaître. Il me dit, moi, je ne des choses. Vous un groupe de la vérité là, vous faites moi connaître. Il me dit, on disant, trouve ça, qui peut pratiquer l'islam comme un sahaba là. On les a trouvé ça. Alors, quand on explique, ce qu'il nous explique, première question, est-ce que mensonge, falsification de Balégaré, fait mélange avec l'islam d'une façon qui n'est pas capable de séparer la vérité de fausseté, ou bien c'est un mensonge, une falsification qui commandait d'essayer de coller avec l'islam? Mais il n'est pas mélangé, il y a l'entour de l'islam. Qui nous choisit entre les deux? Est-ce qu'il mensonge, falsification, il n'a pas de validité? Il mélange avec l'islam, il n'est plus capable de séparer les deux, il n'est plus capable de découvrir la vérité? Ou bien, je ne viens avec cette mensonge, avec cette falsification, je ne peux venir même, je ne peux venir même, mais pas finir la mélange, lila, à l'entour. Et j'ai dit, Lila, qui nous peut choisir des deux? Deuxième. Nous pouvons choisir? Deuxième question. Est-ce que l'islam, que l'Allah, pour l'Arabie, vient faire des années, avec tout ça mensonge, falsification qui vient de la part des bannes égarées, vous capable de trouver, vous êtes capable d'identifier, vous êtes capable de ou bien pas, vous êtes capable de c'est pas beaucoup mensonge. Vous êtes capable de Troisième question. Est-ce que moi, mon cœur ressentir au fond de moi, vous me pratiquez ça, alhamdulillah, vous remerciez Allah, vous me pratiquez ça authentique, ou bien, personne n'a pas le droit de lui, personne n'a pas le droit de lui même garantir Jannat. Hein? Est-ce que nous avons le droit de nous ressentir ou pas nous ressentir? Nous avons ressentir, comment ressentir? On vit de moi visa Jannat là-bas? Non, nous avons visa Jannat là-bas. Mais c'est mon ressenti qui m'a dit la vérité. Parce que l'islam est clair. Soit on retient l'islam est clair. Soit on dit que ça a été mélange qui vient là de la vérité. Il faut que nous n'ayons plus qu'à connaître ce terme. Quatrième, est-ce qu'il m'a bien droit de dire un tel égaré? On ne peut pas dire ça. Hein? Ça va dire les indignes. Donc c'est ça l'explication aujourd'hui. Ban frère et ban sœur, et na ban azan shaitan qui vient dans le masjid tawhid, je viens pour crasse travail Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je viens pour crasse à l'islam qui ban sahaba fait pratiquer avec ban langage. Comment au cas de nous-mêmes garantir la vérité? Ou qu'on groupe de la vérité, ou qu'on sa groupe qui ban qui peut pratiquer l'islam comme un sahaba là. Comment on capable d'y aider dans l'égarement? Ça c'est d'écraser l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous dire, oui, venez dans beaucoup de mensonges, oui, venez dans beaucoup de falsification, venez encore avec pas encore mensonges, venez avec encore falsification. Mais quand tu es venu de Boubini, il n'a pas pour mélange avec l'islam qu'Allah fait des âmes parce qu'Allah fait prendre la responsabilité pour préserver ce dit. L'islam n'a pas pour la vie. Oui, pour éteindre les mensonges, falsifications, alentour. Et ça, c'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le pour la vie, il veut faire des. Allah subhanahu wa ta'ala fait des avec nous. Est-ce que Jimoun a le droit de dire qu'il fait Allah fait des avec nous? Il fait zina haram. Est-ce que Jimoun a le droit de dire? Si c'est Zina qui est halal, vous savez. Est-ce que vous avez le droit de dire ça? Non. Parce qu'il y a des gens qui ont le droit de dire qui fait autant de division, qui fait autant. Ça m'a dit à la panne, ma camadina, chacun qui a une qualité,
Qui s'en est décrit de ça? Qui s'en est décrit de ça? Comme fitna. Qui s'en est décrit de ça? Comme, veut dire, un test de ce port. Qui s'en a? Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, nous avons envers une insécurité. Restons-en. C'est tout là, nous. Allah Rabbul Alamin décrit des haram. Nous n'avons pas qu'un point de sagrée de tout. Allah décrit haram, correct? Voilà, vous êtes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit qui pointe la division, qui vous êtes? Parce que vous pleurez, il y a de ça une division, il y a de ça une division. Non, elle sort pour la peau en division. Ou bien il y a de 50 km de division, là, 50 km, il va tout s'en changer là-haut. La division là, elle est là, mais inévitable. Ça, dans une fin, explique ça dans beaucoup d'explications. Alors, dans sa moment, dans sa situation, que Allah Rabbou l'Alain fin décrète, pour Ena, c'est qu'il appelle mensonge, falsification. Gradué depuis Madina, mais il a dégagé. Pourquoi tu me l'as fait drôle? Comment ça? Possible ça? Mais à l'époque, Sahaba, ben qui n'a pas de Sahaba, ben qui n'a pas de Ben Tabi'in, finit à qui va? Ben Khawarij, moi l'essence. Dans quelle époque Khawarij, moi l'essence? Dans l'époque, ben Sahaba. Mais aujourd'hui, nous faisons ça drôle. Si nous disons dans la Rabbi, il y a beaucoup Khawarij. Si nous disons dans Maurice, dans Ben Gradué, Makkah, Madina, il y a beaucoup Ben Khawarij, nous faisons ça drôle. Dans l'époque, comment ça va venir qui dunia puis aller Khawarij puis venir existe comme un secte dans l'époque Ali radiallahu anhu existe comme un secte. Nous mettons ça drôle, comment un gradu makaton il dit Khawarij, comment est possible? Puis il est drôle là-dedans là, puis il n'y a rien, puis il est drôle dans cette chose là parce qu'il est également lui là. Alors ça va venir vous dire nous pas capable de dire, nous pas capable de connaître tout ça là, c'est oui. Et dans certains peut-être, il y a encore de la confusion, il y a encore de certains doutes. Continuez à chercher, mais pas avec l'esprit qui vous presse dans le doute même, pas pour capable de trouver. Oui, dans certains dimons, l'identité peut traverser pour une certaine étape. Par exemple, si tu peux être brûlé, après une coste, si tu peux être pétable, après une coste, une taouine, comme une taouine, je ne peux pas aller finir à arriver au bila. Voilà, il y a une autre, c'est un peu de l'encore, il y a encore, vous dites encore, vous voyez. Mais qui te pense à Simela, toi qui vous dis est-ce qu'à côté de ça, de vous faire à Simela, continuez. Dans ta ouïe d'argent, continuez tant que tu trouves, jusqu'à ce que tu trouves la vérité. Alors, quand tu arrives dans ta ouïe, je crois qu'il n'y a rien sur le but. Non. On a besoin de venir en cours, dans ta ouïe d'argent, là, vous pouvez égarer. Dans ta ouïe d'argent, là, vous pouvez égarer. Oui. Dans ta ouïe d'argent, là, vous pouvez égarer. Et c'est Saban la même qui, je viens pour dire, avec Saban Langage, que. Nous pas capables de dire, nous n'avons pas capables de connaître, nous pas capables de dire, Jimoun. Ça c'est un des plus grands dialogues que vous donnez. Nous n'avons pas capables de dire, Jimoun. Alors l'explication à ce que dit, c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité est clair. Quand nous disons la vérité est clair, l'éclair pour distinguer. Ah là, la vérité est là. Quand vous dites clé pour me distinguer, vous dites une conviction, une certitude, une tranquillité. Mais c'est l'islam qui. C'est l'islam qui m'a pratiqué là. Vous m'avez pratiqué pour cet islam moi. Et quand vous avez cette conviction là, c'est l'islam clé qui. Celui qui peut opposer à l'islam clé là, qui vous dit qui est dit? Il est carré. Il est carré. Alors c'est ça l'explication. Premier point, vous dire que l'islam, la vérité est clé, c'est parce qu'il y a dans le Coran et dans le Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera sur le fin de donner l'information. Qui c'est l'information là? Ce din facile. Ce din facile. Allah subhanahu wa ta'ala le dit Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala, lui ou les facilités pour eux, lui n'a pas ou les difficultés. Alors si nous posons la question, est-ce que l'islam est facile ou bien est difficile? Celui qui dit l'islam, j'ai dit, il me contrer Dieu, il rentre en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient dire, pas pour capable de dire qui ça n'a qu'il a la vérité. Nous pas gagner droit à dire du monde. Nous pas gagner droit à dire aider les garés. Il me rentre en conflit direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a quelque chose qui nous pose, dit, mais ça l'islam, qu'Allah rende la vie de l'Ibéli, ça n'est pas facile, pas facile. Facile. Qui veut dire l'islam facile? Les faciles pour comprendre, les faciles pour mettre en pratique. Il y en a beaucoup de monde qui pose l'islam facile, oui. C'est quoi la maladie facile? Oui. Mettre en pratique, c'est facile. Mais avant de mettre en pratique, l'islam, les faciles pour comprendre. Qui est l'islam?
L'islam, c'est adore Allah, le créateur unique, bien à vos passeports, 4, 5, 6, 6, bien à vos passeports du monde mort. Suis Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce din, sa din, qui m'a dit sahaba, tu vois, ça même tout, la vérité, ça même tout. Il n'y a pas plus que ça. Les simples, alors l'islam, les simples pour comprendre, les simples pour mettre en pratique, quand Allah Rabbul Alamin peut dire qui les vins prépare un din facile, personne ne va pouvoir dire la vérité pas claire. Personne ne va pouvoir dire et n'a beaucoup de confusion. Personne ne va pouvoir dire et n'a beaucoup d'ambiguïté. Ou encore dans doute. Oui, encore dans doute parce qu'il y a une certaine ignorance. Ou bien, tu as autant la sincérité dans tous les guerres. Tu ne peux pas faire des faux comme à deux ans. Fais des faux. Fais un doigt avec Allah Rabbou l'Arabie. Lève à moi. En fait, fais un tahajoud. Dans ce sage d'Adjaou Allah. Moi, où les trouve la vérité, montrez-moi la vérité. Allah Rabbou l'Arabie prouve être chemin. Allah Rabbou l'Arabie prouve la vérité, elle est claire. Mais oui, certains, Allah t'a fait une certaine thèse. Mais seulement, il reste la vérité, elle est claire. Qui fait premier point qui était. Parce que l'islam est facile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit Inna Allah radiya li hadhihi al-umma al-yusr wa kariha laha al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait, facilité pour sa guilla, les fin détester ce qu'il appelle difficulté pour sa umma. La vétille, Allah Rabbul Alamin n'est pas content ce qu'il appelle difficile. L'islam est facile. C'est facile. Dans l'islam, il est facile pour comprendre, il est facile pour distinguer, il est facile pour mettre en pratique. Et quand on peut mettre en pratique, on gagne la certitude qu'il peut pratiquer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà expliqué. Dans le Coran, dans le Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala fait appel nous pour qu'il y ait des affaires dans nous, pour qu'il y ait dans nous ce qu'il appelle yaqin. Un mu'min qui vient dans lui. Yaqin, qui veut yaqin? Conviction. Est-ce que l'islam, est-ce que le Coran vient appeler nous pour un yaqin ou bien non? Est-ce que le Hadith vient appeler nous pour un yaqin ou bien non? Mais comment est-ce qu'un djimon qui a été imbécile, les gars, imbécile, les sorti Makka, les villes au Mimbar, pour une djao, quand ça coupe qu'il a la vérité là, quand ça va la mosque, quand vous avez besoin de vous montrer, moi, vie, vous n'êtes pas compris. Vous n'êtes pas compris quand vous la vérité. Mais quel imbécile ça! Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se dit, simple, facile. Aujourd'hui, on présente din Allah subhanahu wa ta'ala comme un din. Pas fait connaître, quand il était, quand il commençait, quand il finit. Comme ça, bidati sont mensonges, il a avec les doigts. Comme ça, falsification de bal bidati, il met confusion dans la tête. Toi, tu es malade, mais celui qui a la sincérité dans ce liquide, celui qui met sieste la vérité, même tout ça, un mensonge, falsification, ça parvient comme une barrière, un voile en lien avec la vérité. Un premier point. Deuxième point qui fait à la vérité l'éclair, parce que Allah Rabbul Alamin et son Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait mettre l'éclair dans le Coran et dans le Hadith, langage Coran l'éclair, langage Hadith l'éclair. D'ailleurs, moi, hier, pourquoi je fais cause de là, avec le son de Bahari. Est-ce que Allah Rabbul Alamin fait descendre le Coran pour nous comprendre ou ne pas comprendre? Quand Allah Rabbul Alamin dit Ar-Rahman, ala l'arche istawa, Allah istawa à l'arche, est-ce qu'Allah peut donner nous cette information-là pour nous comprendre ou pour ne pas comprendre? Il veut qu'on s'en nous, pour nous comprendre, mais pour ne pas comprendre. Pour nous comprendre, pour nous comprendre. Donc, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Coran c'est un message. Si nous vous posons la question, est-ce que le Coran c'est un message clair, un message compliqué, un message qui amène dans le cœur la tranquillité, la certitude, la conviction, ou bien un message qui amène nous dans le doute? Est-ce que c'est un message qui vient où? Ouais, trouve si mes droits clairs, ou bien les mettre où devant 10 signes qui ne pas qu'on écoute qui pouvait. Qui a été message à Coran? Qui a été le message Coran? Coran, c'est un message clair. Il amène la tranquillité dans l'équipe. Il amène la conviction dans l'équipe. C'est ça. Celui qui veut dire la vérité, il est compliqué, pas capable de dire, pas capable de dire, ou pas capable. Comment il paraît joli? Elle, de cette façon de parler, vous avez un challenge. Elle fait un bon survey. Le qui m'imbar tawhid dans sa limorissa qui va prononcer sa parole là, avec 10 dimoun.
Bon, parce que si, à part, on va se dire que Al-Goudawano, le manager du Salaf, à part ça, ou presque si, dans tout masjid tawhid, fin bizen à sa parole là, pour s'en là ou bien l'autre là, ou bien l'autre là, et n'a certain man qui vin ziz jimoun, et c'est souvent certain là que s'en là ça. Hein? Souvent certain qui vin ziz jimoun là que s'en là. C'est juste non. Et l'il be viz, l'il be vin viz non, l'il be viz les autres. Mais finalement, ça quand même se comme à tous, tu m'as rien comme à moi, vous be ziz jimoun, et toi tu be ziz moi qui vous be ziz jimoun, tu m'as dit qu'il y a trois ziz moi qui vous be ziz, Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il me dit clair, qui langage Coran, il clair. Puis je place Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Shahru Ramadan, alladhi unzila fi al-Quran, huda linnas, wa bayyinatin min al-huda wa al-furqan. Qui dit bayyinat? Le Coran, il descend de Ramadan. C'est un guide pour un jimoun. Coran, c'est bayyinatin min al-huda wa al-furqan. Ah, ou al-Furqan. Bayyinat veut dire une preuve claire. Une preuve claire. Coran, c'est une preuve claire. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Qad ja'akum min Allahi nourun wa kitabun mubin. Fin vin viajot depuis Allah subhanahu wa ta'ala un lumière et un kitab mubin. Qui veut dire un kitab mubin? Un clair, un canim? Un livre clair. Un livre qui vient même Mais là, il continue, et il y a pour être chassé depuis l'obscurité, mais il se fait éclater. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wa innahu la tanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhu al-amin, ala qalbika li takuna min al-mundirin, bi lisanin arabiyin mubin. Ce Coran là, c'est une révélation depuis Rabbul Alamin, qui Ruhul Amin, Jibril alayhi salam, vient descendre avec ça, c'est ce qu'a tout l'équipe, au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il devine, pour qu'il en avait dit sûr, bilisanin, arabiyin, mubin, ce Coran là, il y a une langue arabe qui était claire. Une langue arabe claire. Mais ça, ce Coran est clair, il n'est pas clair. Il est clair. Est-ce qu'il vient d'où d'arga ou bien pas vient d'où d'arga? Il est clair, il n'a pas clair. Est-ce qu'Allah Rabbul Alamin lit au-dessus de son créature ou bien pas connaît qui peut dire concernant Allah? Il est clair, il n'a pas clair. Tout ça, il est clair. Oui, si nous voulons quantité causée qui bidatine, mini, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gagne droit de Allah ou son trône ou bien non? Trois sessions, une versus pour réfuter, ben? Ahbas, trois sessions, c'est pour réfuter ça. Mais est-ce qu'il est clair ou pas clair? Il est clair. Aqida wahdat al-wujud. Est-ce qu'il est clair qui c'est kufou bien il n'est pas clair? Là, j'ai tarik il mini avec ce dîn, c'est qu'il était en vérité le dîn qui était à l'islam. Qui veut dire l'islam? La solution. Vous connaissez tarik ce dîn qui était à la liberté. Ce dîn, c'est à la liberté. Nous, nous dîn, c'est la solution. C'est qu'Allah dit, nous souhaite. Ce que Rasoul India nous soumet. Ce dit nous gagnons liberté ou libre. On vit, un juif en vivant avec un chrétien. Ce droit, il est libre, il est bien respecté. Un dimanche en vivant à Koufre, il est en vivant avec l'islam. Il est libre, il a la liberté, il est bien respecté ce soir. Un garçon en vivant avec un garçon, il est libre, il est respecté. Il s'en se dit ça. Parce que nous, comme ça, dimanche, il peut en couper une confusion. Il a la vérité ou bien il parle de la vérité. C'est un djimoun qui est en cours, il est malade dans ce déguerre, parce que le Coran, c'est un message clair. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il y a un cadeau qui est venu honorer pour ça. Ce qui était Jawami' al-Kalim. Qui veut dire Jawami' al-Kalim? Jawami' al-Kalim veut dire un don. Mokos, tchigit, on comprend. Mais quand on veut causer, on causer. Quand on dit, pas dans une fête, Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça qu'il y a eu à Il causait, comment ça va? On dit, pas connaît qu'il nous dit. Est-ce qu'il s'est dit, je m'en ai non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit au Hadia, il dit, Allah, il nous dit, un chigit l'in causé, dis-moi comment il comprend.
Les clés, c'est que le prophète m'explique là, les clés, ça c'est cadeau que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient gagner. Les causes, un langage clé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Bu'ithu bi jawami' al-kalim. Allah Rabbul Alameen finit en voie et moi. Avec jawami' al-kalim, veut dire un don qui me cause tchigit. Mon rassemble beaucoup de significations, veut dire comme une cause, je me comprends. Et ça c'est. وجاء النونية أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى بعثهم لجاء أنجموني في الخطبة إن كوزين 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 نبان كل ما إسكيس أن النونية موسى سأجموني في الخطبة نو أن بجاء النونية سكيدة أنجموني في الخطبة لين كوزين نون كوبا بأبو الرسول صلى الله عليه وسلم كده مجيء لجأنو غاتي كلي كوزين باتو كوبا أو بس كلين كوزين أن كوبا أن كوبا مين كده مجيء إن رانتري دم l'esprit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'étit sa qualité ou hâtiya la. Et dit sa qualité l'islam là il ne peut pas dire. C'est sa qualité explication là qui vient de nous. C'est sa qualité explication là qui n'a rien jusqu'à pour nous. Son explication n'a rien pour nous bien non. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam son explication n'a rien jusqu'à pour nous bien non. Qui a été explication là rempli avec ambiguïté, rempli avec confusion, une explication qui pouvait nous continuer à vivre dans doute, ou bien c'est une explication clé. Les clés pour celui qui est propre, pour celui qui est dans la sincérité, pour celui qui se les disposer à résister n'importe qui s'en là pour nous dire Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, comme on a dit, il y a ces clés. Et là, il commence à pratiquer l'islam, à travailler, je ne sais pas, tablique. Alors, il peut trouver comment dire pas trop correct, mais c'est mal pas capable qui se qui veut, il dit comme tu es encore dans la drogue, ou bien comme tu es encore là-bas, toi tu viens dire à moi. Et son réponse est claire. Et bien comment dire tu pratiques l'islam, toi, un kajani qui dit, mais quand tu es un kafir, tu es un chrétien, ou bien c'est pas que tu es un kajani qui dit à toi depuis christianisme, il n'amène toi vers l'islam kajani. Est-ce qu'il te besoin de respirer ça l'islam là, mais tu as besoin de résister ça l'islam là, tu as besoin d'accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Faire comment dire pas dans des personnes pour tirer depuis la drogue ou bien l'autre. Est-ce que ça c'est une raison pour ne pas accepter qui dans la subhanahu wa ta'ala? Non. Est-ce que c'est une raison pour qu'il y ait la sympathie envers sa digne qui est la fausseté là-dedans là? Non. Il n'y a pas de raison ça. Au contraire, c'est vrai que ça nous a grandi avec ça. Hein? Quand vous dites dans les gamins, ils me disent à moi. Mais moi, je trouve dans les gamins, comment vous avez vu là? Vous me dites à lui. Mon frère, Alhamdulillah, tu dis à moi. Quand vous dites à moi, laisse-moi travailler. Mon bâtiment de prendre masjid. Tu me dis, amène-moi vers masjid. Alhamdulillah, tu grandis à quoi là? Vous remerciez Allah. Ensuite, vous remerciez toi. Tu fais un bon travail, mais seulement, travail là, continue. Vous me dites à d'aller rire, c'est-à-dire que vous avez vu la vérité. Ça. Mais combien de gens aujourd'hui? À cause qu'il commence avec l'islam à travers les choses qui comme a dit expliqué l'islam, alors il brise là-bas même lui. On est bien adulte qui ça c'est mal, quelque chose qui n'a pas correct. Aïcha radiallahu anha dit ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasrudu sardakum hada walakinahu kana yatakallam bi kalamin bayin فصل يحفظه من جلس إليه. لبروفيت صلى الله عليه وسلم لنا باتي بكوز ان كوز بواجا ويا ويا يا علي من سن علي عشاتي مش بكوز كان يتكلم بكلام بين مش بكوز ان كوز كده كري وبين كري فصل بيجي ان فاسو ده فاسو كي بواجا كوز لا دي لي 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 فاسيل بو كومبان يو كري عشان جاء يحفظه من جلس عليه أن كان يتكلم للمبتدى بكوزي سلوك ناسيزي من فيني ميموريز بقول للمبتدى صلى الله عليه وسلم من فيني ميموريز بقول للمبتدى صلى الله عليه وسلم سيتان فاسيل سيتان كلير رسول الله صلى الله عليه وسلم لفين كوزي أنس رضي الله عنه جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه بافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه ريبيت أن بقول ثلاث فوا afin qu'ils y mon comprend le prophète une cause pour comprendre et pour résoudre dans la confusion on comprend parfois رسول الله صلى الله عليه وسلم les répète cette parole trois fois simplement pour nous comprendre le quelque chose qui vient nous dire la vérité, l'éclair, qui vient nous dire qu'il est là, il est facile.
Coran et Hadith, c'est un message clair. Ensuite, le gars aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, les petits nous l'ont clôté. Les petits nous l'ont clôté. Il va me dire une vie avec un clôté, si les six disent ça, ok. Les médias, il y a plus que ça, mon petit zot l'ont clôté. Il me dit, clôté, là, il vous l'amène, lui. Mon petit zot l'eau, là, mon bien, allez, il l'a. Il vous reste là, clôté, là, pour rester là, pour rester là. Parce qu'il y a dit, clôté, là, il vous reste là. Mais celui qui pousse au déligé, avec le trou noir, est-ce qu'il est le prophète tantôt là-li? Le prophète tantôt? Il est tantôt, le prophète tantôt. Le prophète qui nous l'a implanté, toi qui pousse au déligé, on va aller avec lui. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous connaître, il dit réponse à sa main égarée. Pas nous qui sortis gradués, ma camadina qui veut venir vous dire. Nous n'avons pas un droit 6 dimoun. Nous n'avons pas un droit de nous-mêmes garantir Jannat. D'ailleurs, personne ne dit garantir Jannat. C'est un mensonge que je t'attribue au nom. Nous disons à nous la vérité. Ça, nous faisons le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintenir à nous là. Mais seulement, garantir Jannat, ça, plein de personnes qui ont le droit de nous garantir Jannat. Trop beaucoup de fois, nous répétons cette implication, nous ne pouvons pas vous régir ça. À ce jour. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Jabir ibn Abdillah, dit à Na'mar al-Khattab, « Atta al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le kitab, asaba'u min ba'adhi al-kutub, faqara'ahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Umar radiyallahu anhu. » L'ingain, c'est un man, man li, man fayyid, qui l'ingain, depuis man ahlul kitab, l'impensa, l'ingain, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lire, comment dire, la Bible, c'est pas un djinn, mais Taura, qui est la possession des mains juifs, des chrétiens. Omar fait bien ça. Il dit même que le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fakhadi Baras, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en colère. Est-ce qu'il y a un droit à lire la Bible ou bien non? Hein? Est-ce qu'il y a un droit à lire la Bible ou bien non? Non. Pas bien, il est haram. Pas bien, droit. Est-ce qu'il est clair ou pas clair, Ali? Il est clair. Mais il a dit, vous avez dit, il y a un qui est égal, mémorise la Bible. Pour Ali, il n'a pas collé, on dit ça. Il a mémorisé la Bible, pas juste fini ça. Il a l'enseignement du monde pour mémoriser Veda. Pas fini. Veda, il y a un sanskrit. Elle mémorise ça dans le sanskrit. Oui, et là, pour certains du monde, celui qui rentre là-dedans et dit, ah, comme ce domaine, ben, on a dit, ok, mais ce n'est pas une dawa dans lui-même, ça. Et là, du monde, il a posé moi, il a posé moi personnel, dans l'endroit, pas qu'on y a pour un, pas qu'on y a dit, mais on vient à cette Veda. Mais on vient à cette Veda. Il va dire Veda, pas le réfit, on va dire, on a droit à dire, idole. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il décrit des haram, pas qu'il y a droit, lire, livre, de mal égaré, ben, la Bible, ou bien l'autre. Oui, celui qui vient alim, lui peut faire da'wa avec les chrétiens avec l'autre, lui peut bizarre, révite un certain argument dans un livre, lui est un coudé, lui résumit ça à un autre. Mais da'wa, c'est pas, c'est plus vilain encore à ce jour, on est déjà cause de la similarité avec l'islam et l'hindouisme. Vous connaissez qu'il y a une crasse da'wa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une crasse da'wa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En deux mots, similarité avec une tawhid et un shirk. Adorati est idole. Vous voyez la similarité entre nous, l'islam, avec sa main malpropre là. Si vous prenez courage pour dire aux dents, confie pour rentrer dans l'enfer, on va fermer la bouche. Au moins, ferme la bouche. Mais pas venir similarités en islam avec couvre, parce qu'il y a plein de similarités entre nous avec ce din. Allah subhanahu wa ta'ala, ce din est clair. Alors ça, c'est un peu c'est dans le livre des causes là en passant. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il en colère, قال أمتهوكون في يا ابن الخطاب. Le prophète Omar, est-ce qu'ils sont incertains concernant nos religions? Est-ce qu'ils te donnent tout ce qui m'ont vu avec toi l'islam? Vous pouvez dire toi, dis mais mon chrétien, mon juif, il me finit falsifié, mensonge ça. Ton coq a lié ce livre? Ton incertain dans ce qui m'ont vu avec ça? والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه.
C'est un mal où Allah vous fait venir avec Zut, avec une religion, clé, naquille, pure. Quel est vous fait pédia au mal? Vous venez avec Zut, avec un dîme clé, un dîme pur. Mais Dieu, peine à pas faire l'étude approfondie pour la différence entre l'islam et l'église, l'islam et le christianisme. C'est un coup des mêmes, il trouvait sa coupe, ça fait c'est un point. C'est un coup des mêmes, papa, la vie, c'est un coup des ça. Ça, quand on dit depuis le loyer, on dit ça. Le papa, il a pris ça. Ça, pour faire comparaison entre ça et l'islam, et ce qui plie, ça là-dedans. Un grand savant dans l'hindouisme, tout le monde a avoué que l'hindouisme, ça met une religion, ça. Ça met une religion, ça. Ça, c'est une coutume des Balkans que je peux préserver, ce lot-là. Mais ça met une religion, ça met une religion, ça. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les médias qui les filmines avec un dîme pur, clé, et les dîmes, les continuent à dire « وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي » C'est moi le celui qui met la vie dans la main, si Moussa alayhi wa sallam dit vivant, dit-il, suive-moi. Donc, ça montre-nous que l'islam, c'est un livre clair. L'autre hadith qui est connu, hadith al-Bali ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un khutba, lequel l'homme des bandes sahaba fait une coulée d'épisodes de Jésus, lequel a fait rempli avec la frayeur. Je dis au Rasoul, c'est comme si un dernier khutba qu'il pouvait faire, mais donne-moi un conseil. Je ne sentis ce khutba qu'il est prophète qu'il fait là, comme si il est prêt pour qu'il te n'y a. Je dis au prophète, mais donne-moi un dernier conseil. Le prophète commence à donner un conseil à lui dire « Qaddartukum ala al-bayda, layluha ka nahariha, la yaziru ana al-ba'di illa halik » Le prophète dit « Mon père qui veut être clôté » Qui a été clôté ?« Sous la nuit qui paraît comme sous la journée » Qui a été clair ça ? Mettez combien de fois vous les mettez au café il y a du matin, il paraît comme il y a dans la journée au café à où ? Non. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire. Les prophètes peuvent dire, ça clôté l'islam là. Et il y a du matin, il paraît pas il y a tantôt. Qu'est-ce qui clé ça? Et il dit, là il y a Zirwana, Ba'din Halik. Après moi, il y a une personne qui peut égarer les sardines qui viennent Halik, un qui peut finir lui-même, un qui peut périr, qui peut nous laisser, mais les gamins. Les prophètes continuent à dire, wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. C'est lui qui peut vivre après moi, il peut vivre beaucoup de divergences. فعليكم بما عرفت من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سلكي بوفي فابري موا الوكي ليتراب بديام السنة البطو ديفيرجانس ليتراب السنة السنة دوما خليفة كي فينا اك لو شمان دوا لو بوان ودي اكي الاسلام ستندين فاسيل pour distinguer, pour comprendre, pour mettre en pratique, pour nous gagner la certitude qu'il nous fait bien pratiquer et pour nous dire qu'il nous a versé dans l'égarement, c'est que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit un groupe de la vérité, il dit que c'est un groupe qui pour zahir, un groupe qui pour zahir. Qui veut dire zahir? Zahir dans la langue arabe, quand vous voyez le dictionnaire, zahir veut dire apparent, évident, flagrant. Il manifeste quelque chose qui nous capable de distinguer. C'est ça qu'appelle Zahir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit groupe de la vérité les pour Zahir. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit l'antazalu ummatu min ummati zahirina anil haq. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna alim nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pourquoi il y a un groupe de mon ummat qui pourrait ظاهرين عن الحق بوكليلو لا فيريتي بوكليلو لا فيريتي زيد بيجا بان كي بي اوبوز دابا انا زيد علي بان كي بي ابان ابوندون زيد بابا بوزو دو كانجيتو اي ديم كون بابا سا غروب دو لا فيريتي اي بوينا دي كاليتي اوبوزون ان كان دي اوبوزون زامين ان كوستيدي زامين ميم ان كوستي لي طول تان لي ديال اوبوزيشن اي ني دي جان كاي دي اوبوزون كي سيكيتي Mais une costée, ensuite, quand il dit, pas pour capable, il dit pas à l'homme. Il
tu pas capable. Après je vais parler d'un homme. Pas capable. Après je vais parler d'un homme. Ça c'est bon qui je l'ai essayé. Après et là, quand il coste, après on allait, après on t'amène comme premier nage, mon cali cosé. Il y a encore la route d'avoir nous. On connaît, depuis quand qui mon col qui banane. On prend les soins avec banane et alors est-ce que c'est un vrai que tu nous la vérité banane avec les gamins là? Les prophètes ils disent groupe de la vérité et la banque qui peut opposer et la banque qui abandonné t'as du problème qui abandonné tu parles mal banque qui abandonné ça pas plus que ça à moins que tu ne prouves aïe là aïe le Coran hadith principe des banques salaf qui comment dire le Dawado vient contredire pas présente nous comme banque infaillible qui pas fait rire qui pas plutôt dans les gamins non. Mais il y a même pas erré à aussi. Le thème, Allah dit, ben, alim, pas fait erré à ce tombe dans cette année. C'est un légalement, c'est une chose qui est connue. Mais seulement, si, on va dire, malade avec un groupe sans réussir à amener un vrai concret, ça c'est un mauvais signe. Donc, à Taïfatul Mansoura, groupe de la vérité, d'après explication, d'après description de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été groupe ça, c'est groupe qui sont au clé. Abdurrahman, Abdullah ibn Abdurrahman, un descendant de Mohammed ibn al-Wahhab, il dit « Laisse le mourad du dhuhur bis saif, bal bil hujja da'iman, wa bis saif ahyanan. » C'est un groupe qui peut manifester, mais au clé, pas nécessairement avec l'épée. Avec l'épée parfois, mais il y a parfois je gagne l'autorité, il y a mais seulement je peux manifester avec un argument, je peux faux avec un argument tout le temps. Mais le groupe de la vérité est clair. Un groupe qui se stick à ce qu'appelle le Coran et le Hadith et Manhaj Deban Sahaba. Aussi, un savant vient toujours dire qui la vérité est claire, le Tabari, il peut décrire As-Sirat al-Mustaqim. Qu'est-ce que As-Sirat al-Mustaqim? Il dit As-Sirat al-Mustaqim, ou al-Tariq al-Wadih, alladhi la'i'wijaja fi. As-Sirat al-Mustaqim, un chemin droit. Qu'est-ce que un chemin droit? C'est al-Tariq al-Wadih, c'est un chemin clair, la'i'wijaja fi, ben un zigzag là-dedans, un chemin clair. Donc, chemin droit. Qui a été chemin ça? Un chemin. Facile pour distinguer, facile pour marcher là, facile pour connaître quand il commence, quand il finit, ou bien nous s'y met droit là, nous s'y met travers, ça ne va pas trouver quand il rentre, il vient dans la forêt. Il y en a pour certaines, ce s'y met droit, il travaille. Pour certaines, ce s'y met droit, il travaille. Ou peut-être ça s'y met là, mais quand il rentre, il sort dans la forêt, elle s'y met comment, mais de nous garantir qu'il y a le droit tout. Pour lui, ce s'y met droit, travaille. Tandis pour nous, on s'y met droit, les droits. C'est mes droites, les droites, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les dire, al-haq wadih, la vérité est claire. Cheikh Fawzan, les dire, wa min rahmatillah, anna al-haq wadih, min al-kitab, wa sunna, wa hadith salaf al-salih, laysa fi ghumud, wa la labs. Les dire, ça c'est pitié Allah, rahmatallah, Allah fait nous les dire bien pour nous, les narrant la vérité claire. Il nous l'a dit bien pour vous, ça c'est Rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fait faire la vérité claire dans le Coran, dans la Sunna, dans la guidance du Man Salaf, il n'y a ni ambiguïté ni confusion. Dit Allah, il n'y a ni ambiguïté ni confusion. Celui qui a encore me pose une question. Ici qui bon, ou bien quand il m'a dit qu'il fait Fatiha qui bon, il y a encore me pose une question, il y a des gens qui. Encore, il y a certaines maladies dans ce lequel elle guérit ou les guérit. Pour trouver qu'ils ont la vérité là, ils hésitent. Pas pour me dire qu'elle fait, à la fin de ma carte, pour me dire qu'elle va pas dans la routine ici. À la fin de ma carte. Ensuite, nous avons le rôle de me dire dans le grand poli ou ma carte à ma gueule. Et on va dire, ouais, c'est me dire à ça, c'est un poli, quoi, dit. Tiens, voilà, pas de me dire à ça, même. Et Cheikh Fawzan, rahimahullah, Allah, de la donne, pas belle. من حاجة صعب صعب. إذا ومن أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أن يرجع إلى الكتاب والسنة وما عليه المسلمين وسيجد الحق واضحا. شيخ فوزان جيا سيلي كيولي لا فيغيتي يولي لو بيان
Il a simplement pour retour vers Kitab, vers Sunna. Et ce qui, un musulman l'oula, et dit à Jamal, un musulman l'oula, Cheikh Fawzan dit, « Ouais, ça y est, j'ai eu le haq, waouh, des han, les vous trouvez la vérité claire. » Donc, il y a une question, est-ce qu'ils nous les trouvent claires ou bien non? Ne passe pas la vérité claire ou bien non? La vérité là, elle est claire, est-ce qu'il toi te les trouve claires ou bien non? Celui qui nous les trouve claires, l'IPFR, c'est sincère, l'IPFR, c'est faux. Il faut faire la différence. Oui, peut-être. Il y a encore une certaine conviction pour un certain moment, une certaine étape, un certain moment de sur la vie. Mais finalement, il faut trouver quand la vérité était et quand l'égarement était. Et comme ça même, le dernier point, c'est un de bon savant. Il y a une brève encore pour dire que la vérité est claire. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit à Kana Malik, il a déjà à Ouba ou à Aboua, قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. إمام الشافعي جيه كاكي كان بيبان بيدانتش بيبين كنت إمام مالك جيه بار إمام مالك مبين ديبا بيبتوع إمام مالك جيه ليتو كوني أنا إني على بينة من ربي ومديزالو أنسيتي جد لو مريجون مكون مو ريليجيون مكون مو عقيده مكون نقولوا لا فيريتي اما انت فشاع توتنا علينا حدود اذهب الى شاك مثلك فخاصمه الكو تندو انكن عدد باري وما دو على الديسكيت عليك ما من ديسكيت ما مو ديسا كوميدي بجا نو كان با اكزامبل سي نو في ان ديبا نو با فين ديبا مو بادي نبي على با ديسكيت نو كيلو لا فيريتي بيان كاجاني كيلو لا فيريتي نو كان نو Ça, dans l'IA, il y a des années, c'est une finie explication dans l'explication d'Albert Bahari. Il y a un commandant qui appelle débat, il y a un certain savant, il y a un permis débat, c'est mais il y a d'après circonstances. Est-ce qu'il vous porte souffrir ou bien non? Donc, quand il y a un débat, ce n'est pas un débat qui perd le rôle de la vérité, non. Un musulman, les misères connaît il la vérité ou bien. Ou bien non, parce que ce n'est pas à travers des débats qu'il voit qu'on a la vérité. Un musulman, c'est essentiel à lire, à l'apprendre, faire droit avec Allah pour qu'on a la vérité. Pas quand on passe dans sa vie, on fait des débats avec sa vérité, on parle qu'on a accepté la vérité. Ça va qui peut dire ça, mentir. Si vraiment vous voulez la vérité, allez avec Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah dit-moi, l'eau la vérité, Allah pour guider l'eau, l'eau la vérité. Donc, Imam Malik qui lui peut dire, moi, mon col me dit, toi, tu n'as dit, allez, est-ce qu'il m'a gagné droit de dire mon col me dit, ou une certitude de me dire, ou bien non? Est-ce qu'il m'a gagné droit de dire mon salafi, ou bien non? Hein? Je finis, moi, ça rabasse d'air. Hein? Ça, c'est mal, un argument. Mais ça, moi, je me sahaba, moi. Ça, moi, je me cavole les pieds, sahaba, moi. Les pauvres qui disent, si je dépense montagne au bout de l'eau, tu n'as pas parlé de ce que je dépense avec, un foyer comme ça. Jamais je ne peux pas atteindre mon sahaba, mais est-ce qu'il dit mon sahaba capable de pratiquer ou pas de pratiquer? Qui dit que mon sahaba j'ai pas su? Dit mon extraterrestre d'Amas ou de la Jumité avec dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec ça. Dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec ça. Il ne dit pas parce que vous ne pouvez pas pratiquer. Qui a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec ça? Il a dit qu'il n'y a qu'un dîn, qu'il n'y a qu'un dîn, dans l'improvisme, qu'il n'y a qu'un dîn, qu'il n'y a qu'un dîn. Mais qui est-ce que le dîn sahaba, le dîn sahaba là? C'est pas le posé. Quand on parle, on ne peut pas dire qu'il dîn, c'est tout comme on tape avec 1,73. Mais on parle pour quelqu'un qui mente, un falsificateur. Un qui me vient pour contredire dîn Allah subhanahu wa ta'ala et fier de 1,73. Alors, Imam Malik dit, moi, je me confirme, moi, je me confirme, certitude de vous, le mot dit, Imam al-Bardahari, je dis à Kadouké, mon sahab, mon salaf, mon ola m'a fait tout à dire, nous, la vérité, mon la de l'égarement, je fais faire mention des autres noms, par exemple, Abdelaziz, il dit, à Samut al-Hassan, yana an mujalasa di ma'bad al-Juhani, wa yaqoul, لا تجالسون فإنه ضال مضل نفتان الحسن الحسن البصري من تابعين من تاني بيجانا ما لاسيس كود معبد الجواني بالكوس تكسا كاي دي جمونا باسي دان سو كومباني لين إيغاري كيفي إيغار جمون
الحسن البصري كي بيجا كونسيرنون معبد الجواني كي بيجا لي غامي اسكي نو غاوا جي نو لي غامي جي نو لي غامي كي فيه اسكي الاسلام لي كريا كما سما الذهب اللي جيا بشر ابن غياث المريزي مبتدع ضال بشر ابن غياث المريزي ينبدا كي غاغي اسكي نو غاوا جي نو ينبدا كي غاغي Est-ce que ça existe pour Van Kidan côté Brenoui, Tablet? Une fois qu'il dit les Taouhid, il finit saper de sa petite bidati égarée là, ou bien une petite passance non y. Maintenant que ça l'a fait une petite passance sans non y. Oui, oui, oui. Est-ce que ça l'a fait en tant qu'un petit qui sens quelque chose? Est-ce que ça l'a fait en tant qu'un petit qui sens quelque chose? Il passe sans non y. Et du coup, il y a des affaires dans quelque chose, mais personne n'a rien. Mais ça veut dire que Salafi, c'est un type qui sent quelque chose. Nous disons que Salafi, c'est faire des efforts pour marcher bien devant les Sahaba. Salafi, c'est un type d'abord qui sent qu'il colle un type dans les Salafi, il vient des Salafi. Non. Salafi, c'est au vin Salafi, au pratique Salislam qui va nous en avoir. C'est parce que dans la vie, on dit qu'il y a un Salafi, on dit qu'il y a un Salafi, on ne peut pas savoir qu'il y a un Salafi. Mais ça n'a rien. Vine un Salafi, mais vine un Salafi qui est pratique l'islam. Authentique. Alors, ban sahaba, ban ulama, jusqu'à dans le passé, ban sahaba, et après ban ulama, tout le temps, je viens concilier ban qui dans les gamins comme égaré, parce que qui fait, quand on oppose la vérité qui claire, et c'est juste, il veut dire égaré dans les gamins, il veut dire concilier, et comme ça, nous avons dit, à Dahabi, les djiya, concernant le khalil, al-malhami, ذكره أبو الوليد الطيالسي فقال ضال مضل أبو الوليد الطيالسي بجيا ساتم الله يجد إيقاري كي بيقال جمون أبو تيب عبد الله بن صالح جاء ثم جئنا إلى الشافعي فقال ابن علي ضال نفينا لكم الشافعي بام الشافعي يجاء إبراهيم ابن علي سان إيقاري سا سو جي سوى جنجمون إيقاري بريكتي خمسة Ça va n'importe un tel égaré, je ne vais pas connaître. Et ça, c'est un mensonge. Et qu'on nous les a dit. Sans fachar, à la grande quantité de leçons, causeries, titres qui nous traitaient pendant 5 années, à la grande savane qui me dit, à la grande pas connaître, il n'y a pas de division dans les Maurice, ce problème, c'est juste égaré. Amène-moi son bilan pendant 5 ans, quantité de leçons, quantité de causeries, quantité de titres qui nous traitaient. Je n'ai pas pour la fille, il n'y a pas le cachet. Ça a insisté, je finis le Saint-Mimbar, là, tu as répété ça, le Mimbar. Combien de titres tu devais pendant 5 ans? Combien de leçons tu devais? Ensuite, tu n'as tout fait pour lui dire, Al-Houda, je suis pas là. Al-Houda continue de causer, leçons. Bon, bien que je sois là, subhanahu wa ta'ala, il peut continuer à faire, Allah ta'ala, maintenez-nous là et de nous. Mais augmente-nous là pour qu'il nous continue à des sons. Le da'wah, ce n'est pas palabre. Le da'wah, c'est faire l'éducation de Bandimoun ensemble avec ça. Quand il y a pour avertir contre égaré, nous devons avertir contre égaré. Ibn Salah, il dit à commencer Ibn Sina, Kana shaytanan min shayatin al-ins. Ibn Sina, il dit un shaytan, quand il y a un shaytan, insan. Et comme ça, il m'a dit, déjà, Mohamed ibn Karram, al-Sijistani, al-Mubtadi' Cheikh al-Karamiya, c'est-à-dire qu'on s'est dit, Mohamed ibn Karram, c'était al-Mubtadi' al-Bidati, ça, comité fatal l'Arabie Saoudite, déjà, concernant Mas'oud al-Din al-Uthmani, afta ghayru wahid min al-ulama, bi annahu dallun mudil. Mais il y a plusieurs savants qui finissent de fatwa, il y a un égaré qui pégale. Jimoun, Cheikh Ibaz, rahimahullah, il y a concernant Mahmoud Taha, Mahmoud Mohamed Taha, هذا رجل ضال مضل. Ça, c'est un Jimoun qui pégale. Jimoun, Mahmoud Mohamed Taha, ضال مضل وكافر ضال. Il y a Jimoun qui pégale. Jimoun, il y a un kafir qui est dans les gamins. Bon, tout ça, démontrez-nous comment un savant. Je viens de dire qu'ils ont la vérité, je viens de dire qu'ils sont opposants dans l'égarement, et c'est ça même le dîne, mais le dîne d'islam, le dîne clair, le clair. Quand on dit à l'islam, le clair, la vérité, le clair, on peut là pour un soc, ou bien pour ça drôle, comment nous peut dire nous la vérité, et comment nous peut oser dire nous l'adversaire dans
dans les garments, à moins que nous ayons l'islam qui allait être préparé, c'est-à-dire avec une préparée avec conviction, une préparée pour qu'il nous reste. Et la doute dans nous les guerres, alors ça, c'est tenu par nous dire, quant à nous, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dîme clair, un dîme simple, un dîme facile pour comprendre, pour distinguer, pour mettre en pratique, pour qu'il s'amène dans le guerre, la conviction, yaqin, la certitude, la tranquillité, et en même temps pour trouver dans quelle façon, ben qui dans les gamins, je peux opposer, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente nos connaissances, il augmente nos guidances. Maintenir à nous, le Al-Huda, le Al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée de nous la vie, comme l'idée nous vivant, comme un dimon qui est au chemin droit, et l'idée de nous l'amour, comme un dimon qui est au chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemble nous, ensemble avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ibad Salah, et Sa'ud Malah, wa sallallahu alayhi wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanahu wa ta'ala, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.